Bonjour et bienvenue à l'atelier. Je sais, j'avais promis de faire des séries moins longues et nous voilà déjà à l'épisode numéro 6. Mais souvenez-vous, on a eu du malheur quand même. On va continuer ce corps. La dernière fois, on s'était arrêté, on avait découpé tout ce qui était fourrure, on avait posé les œillets. Maintenant, on n'a plus besoin des angles sur le corps brut. On va pouvoir faire des quarts de rond sur les deux faces. Et percer évidemment le trou pour le support de Jack. Bon, c'est pas parce qu'on s'inspire d'un design Gibson qu'on va faire pour autant un manche collé, hein. Désolé Nico, mais voilà quoi, faut le côté médiéval de Gibson, ça va bien 5 minutes. Donc en fait, on va faire 4 trous. Je vais pas mettre de plaques, je déteste les plaques, mais j'ai gardé ce truc en plastoc là parce que ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire de le centrer et de tout de suite savoir où est-ce qu'on va faire les trous, quoi. Alors, on fait comme ça. On est nickel. Et là, on peut marquer. Les 4 points qui vont bien. Et là, on va mettre un bout de bois en dessous pour éviter qu'il y ait des éclats en sortie. Et de l'autre côté, on fait un petit cratère pour avoir cette espèce d'effet succion en fait quand on va visser, de manière à ce que le manche soit vraiment, vraiment bien plaqué au fond de la cavité. Vous voyez, ça n'a pas du tout besoin d'être profond. Hein. Petit truc que j'ai déjà dit, mais bon, je le redis quand même. On commence par faire les quarts de rond, et ensuite on perce pour la jack. Parce que si on perce pour la jack avant, bah quand on va vouloir faire les quarts de rond, le roulement, il va tomber dans le trou. Et donc, on va avoir une petite marque. Donc, l'ordre, c'est les quarts de rond, puis la jack. On reprend les feuilles de plaquage qu'on avait utilisées pour le manche laminé et on va se refaire un petit sandwich. Allez, hop. Alors ça c'était ce qu'on avait mis dans le manche et là on va rajouter simplement un padoucle de plus d'un des deux côtés, c'est ce que j'appelle la variable d'ajustement.
C'est-à-dire que ça nous permettra de raboter finement pour arriver pile à la largeur qu'on veut, sans risquer d'enlever tout le padouk et que ça se voit comme le nœud milieu du visage. Et il nous reste à coller ce sandwich. Et on laisse ça sous presse pour la nuit. Cette technique qui consiste à coller des plaquages, puis après en faire des baguettes, voire même en faire des petits cubes, c'est une technique qui a été initiée par un maître luthier espagnol qui s'appelait Torres, et dont les guitares, en particulier les guitares classiques, valent aujourd'hui une petite fortune. Avec un spray adhésif extra fort, on va en coller les deux surfaces. On va attendre 10 minutes avant de faire le collage. Les 10 minutes, en fait, ça sert à ce que il y ait une évaporation en fait de l'agent qu'il y a dans la bombe et qui permet de passer à la bombe la colle. Vous avez remarqué, agent Starling, que pendant le collage, ces agneaux n'ont pas fait un bruit. J'aime bien le côté passe-moi le détecteur de métaux, faut que je retrouve la cavité de contrôle.
Et là, on va utiliser du lacet en cuir pour lacer en fait la fourrure du dessus avec la fourrure du dessous. C'est pour ça qu'on avait fait les petits œillets. Ensuite, il y a un assez long travail qui va consister à recoller les petits bouts de peau qu'on a laissé dépasser, comme ici, sur le corps, avec simplement de la superglue. Je ne veux pas que ce soit parfait. Je veux qu'en particulier avec le lacet et les anneaux, on ait un côté un petit peu sauvage, un petit peu comme des cavernes, peau de bête, quoi. Et après ponçage, on va juste mettre un peu d'eau d'isoil sur les quelques petites parties où on voit encore le caillot. On va raboter la tranche de notre bout de laminé de padouk, un citronnier, un padouk. Puisque ça va être la partie apparente du décor.
pour installer les plots du wraparound, on va utiliser un boulon qu'on va visser à fond, de manière à ce qu'il touche le fond ici qui est plein, et éviter comme ça tout ce qui est risque de casser une pièce ou quelque chose comme ça. Ils sont équipés d'un petit trou qu'on va utiliser pour celui-là et qui permet de passer un petit bout de fil électrique. Encore que l'autre technique, ça consiste simplement à le dénuder. L'idée, c'est que le chevalet soit à la masse, bien sûr. Et une fois qu'il est dedans, il y a juste à dévisser et hop, c'est nickel. Et c'est parti. Je vous ai fait la grâce des coups de maillet. On a bien la jack. Et la horreur. J'ai coupé parce que j'ai juré violemment. Le bout de câble séparé pendant qu'on tapait. Il nous reste la cavité. Et au bout de la cavité, on a quand même accès au plot qu'on vient d'enfoncer. Donc plutôt que d'essayer de le retirer et de tout gâcher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit ressort type ressort de humbucker qui sera en contact avec le plot et sur lequel on fera partir le fil de masse. On prend donc un ressort de humbucker, on va y installer notre fil. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, on va même rajouter. Et on va le pousser, donc forcer en fait, si bien qu'il sera toujours en contact. Et on va le visser avec une petite vis. Et hop, on vérifie. Et on a bien contact.
Mais bien sûr, frère, en ce deuxième dimanche avant l'Ascension, il est temps un petit peu de vous souvenir des Écritures. Jésus eut une dernière rencontre avec ses disciples avant de s'élever vers le royaume de son Père, et il leur tint ce discours. Bande d'apôtres, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne JY Guitare ACNC, c'est maintenant qu'il faut que vous y mettiez, avant que je fasse l'Ascension. Et puis, allez aussi sur la boutique, achetez des bouts de bois. Enfin, faites votre boulot d'apôtre, quoi. Il n'y a pas de secret.